Et toi, Mariam, tu? Infini vlog. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est difficile? Non. Les filles, est-ce que vous vous souvenez de cette école? C'était l'école chinoise des filles. Vous vous souvenez? Vous avez fait un vlog par rapport à ça? Donc voilà. Hello! Coucou les filles, donc voilà, je suis avec une copine que j'ai pas vue depuis super longtemps. Donc on va se voir un petit peu et ensuite on va faire un peu les magasins ici, puis direction la maison. Il faut que je prépare la halala pour ce soir. Et on a aussi un événement et j'ai plein de petits trucs à terminer à la maison, donc voilà. Voilà. On va chercher le shampoing les filles. Haircut, ici. J'espère que je vais trouver le shampoing que j'achète habituellement. Il est là. Donc voilà, il y a des filles qui me demandaient, puisque j'en parlais dans je ne sais plus quelle vidéo. Donc c'est ce shampoing là que j'utilise. C'est la marque, c'est Nature's Gate. C'est écrit en français, donc c'est vegan, sulfate free, etc. Il y a différentes sortes et c'est écrit en français. Donc est-ce qu'ils ont un site internet? Oui, donc c'est naturegate.com. C'est fabriqué aux USA. Je vais tester autre chose. Il y a celui-ci de chez Palmer qui est pareil, free spun hair, no sulfate, no paraben, no phtalate, no mineral oil, no gluten. Ça c'est pas mal. Je crois que je vais prendre ça. Donc voilà, chez H&M, il y a. En fait, c'est la période des soldes à Singapour. Donc du coup, j'ai trouvé des trucs pas mal. Et étant donné qu'on va faire l'Aïd avec des amis, donc on achète les cadeaux aussi pour les enfants. Donc voilà, et après. Ok, là on est à Daiso. On va chercher des sachets pour faire les petits sacs de bonbons. Alors, qu'est-ce que je choisis? Il y en a 12. Ah, tu voulais prendre en carton? En plastique, c'est mieux, non? Allez, j'attends le bus. Il est là, il est là, il est là. Yes, yes, yes. Allez les filles, on se dépêche. Il va être 4h. Et il faut que je termine. Il faut que je termine, il faut que je fasse à manger. On va faire une Harira Express. Et ensuite, on va se préparer puisqu'on a le ftour à 18h. Donc c'est un peu juste encore une fois. Mais voilà, au moins on a acheté quasiment tous les cadeaux pour les enfants. On a acheté de quoi leur faire des petits sachets de bonbons et tout. Donc ah, il fait chaud. Il fait chaud. État des lieux, donc là la soupe est en train de cuire. J'ai mon lion qui est là. On va mettre le linge à sécher, je vais passer un petit coup par terre et ensuite on aura quasiment terminé. Voilà les filles, ça y est, on est prêtes. Donc on va y aller. Je vais appeler le taxi, c'est pas possible. Dans 15 minutes il est 18h, donc j'arriverai jamais à temps. Donc du coup tant pis, je vais me rabattre sur le taxi. Donc voilà, j'ai fait ça comme make-up, un truc assez simple. Et j'allais faire les lèvres rouges, après je me suis dit non. Voilà. Elle est belle la robe. Hein. C'est une robe jordanienne. Elle vient de Jordanie, directement. Voilà. Si vous allez en Jordanie, vous allez au downtown, ce qu'on appelle Wast Al Beled. Et vous allez voir, il y a plein de robes jordaniennes super belles, des belles rabayas, mais surtout de belles robes jordaniennes. Donc voilà, on y va, je vais appeler le taxi là. Ça y est, on est dans l'ascenseur. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Je sais pas quoi, mais tant pis, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Vous avez rigolé, ce foulard-ci. Quand je l'ai pris, quand j'allais le mettre, j'ai une copine qui m'a dit, mais ici, nous, on met ces foulards en jersey pour aller faire les courses. On ne met pas ça à l'extérieur. Et alors que moi je trouve ce foulard en jersey très beau. C'est vrai qu'ici c'est pas du tout quelque chose qu'il porte. Il y a un accident juste en face. Ça fait au moins une heure. Il y a une moto qui a foncé, ou je sais pas, la voiture qui a foncé dans la moto. Et enfin, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Donc du coup tout est bloqué ici en face. Allez, j'attends le taxi. Voilà les filles, c'est parti. Donc on s'en va. Un tour qui est organisé par Zalora. Donc Zalora, c'est un peu l'équivalent de quel site? Asos un peu. C'est un site qui propose plein de marques. Il y a plein de marques comme Aldo, Mango,
River Island, il y a vraiment plein de marques, mais en plus de ça, il y a aussi des marques malaisiennes de prêt-à-porter spécialement pour les femmes musulmanes. Alors je vous avais fait un haul il y a super longtemps, lorsque je venais juste d'arriver à Singapour, puisque j'ai commandé deux fois chez eux. Ils ont vraiment de tout, des foulards, du make-up, des accessoires, plein de choses. Et donc voilà, ils organisent un tour et on va aller là-bas et je pense que c'est leur siège, il me semble. Encore une fois, beaucoup de doutes, mais voilà, je vous emmène avec moi et voilà, ça a été encore une journée assez speed. Franchement, ça a été speed, mais on devait acheter les affaires de l'Aïd, les cadeaux de l'Aïd avec les enfants, on devait faire ça avec une copine. Et comme la semaine prochaine, elle a des choses, moi j'ai des choses, donc du coup, ça passe tellement vite, les jours défilent, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse ça absolument aujourd'hui. Donc c'est une bonne chose de fait. Il manque encore les cadeaux pour les filles, pour mes petites et pour sa petite. Je sais pas, j'hésite encore, mais je pense que je vais leur acheter des jeux éducatifs. Je suis allée à une petite librairie du côté d'Arab Street et ils avaient des pulls assez sympas pour l'apprentissage de l'arabe. Un peu dans le même esprit que Arabicube, mais en pulls. Et je me suis dit que peut-être j'allais leur prendre ça. Je sais pas, je vais voir. Mais voilà, une journée vraiment speed. Je me sens quand même assez crevée, mais je suis pressée d'y être et voilà. Voilà, ça commence bien, donc j'ai été bloquée. Il fallait prendre sa carte d'identité ou avoir son numéro de passeport. Moi, j'ai pas pris, franchement. Et c'est super filtré, donc ils prennent, ils copient, ils mettent le numéro de téléphone, à quelle heure vous êtes rentrée, etc. Donc voilà, j'ai réussi à m'en sortir. Heureusement que j'ai appelé mon mari qui a pu me donner les numéros. Ah, mes oreilles, elles se bouchent. Direction le 18e étage. Ça va, je suis pas trop en retard. Oula. Hi everyone, this is Hasna here. We're in Zalora right now. She's very kindly come on to our office for a little tour and a sneak peek to what's coming up from our newest collection. On va regarder un peu ce qu'il y a. This is our new collection. Yes, it's our new collection. So September, October, November. Oh, I love this one. Yes, you are like the first lucky one to see all the new items. Yeah. Ah, de chouette chose. Oh. Yeah. Regardez-moi ce jean. Wow. Franchement, il y a de chouettes choses. Ah, this is for Hari Raya? Ah, no, it's not actually. It's for autumn winter season. Oh. Yeah. Regardez-moi ça. Il y a franchement de chouettes choses. You don't send to Europe. No, we don't, unfortunately. Donc voilà, malheureusement, ils ne livrent pas vers la France. In the future? Maybe. Never know. Oh, franchement, elles sont trop canon. Super belle. Mais en ce moment, il y a plein de trucs babouches un peu partout. Ils sont vraiment chouettes. So these are all as well by our own design team. So they sit downstairs and they create everything from scratch. Okay. Hey, donc voilà, Dalila. Hi. Hi. In French. In French, je sais pas. Bonjour. Bonjour. Ok les filles, donc voilà, ça c'est le menu. Mais ça a l'air très très bon. Black Forest, parfait. Hello. Hi. Ok voilà, donc les filles, c'était une petite session où elle nous a montré comment réutiliser, on va dire, les choses qu'on achète pour les occasions, pour tous les jours. Et donc là, on va manger. Donc là, c'est l'entrée. Ça a l'air bon. On va voir ce que c'est. Et voilà, c'est l'heure de casser. Il est 19h15 ici. Hey Dalila. Hello. It's time to makan. Makan? Makan eat. Ah, eat. In Malay. Manger. 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 Like mange. 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 Oh, it's mange. Eat. Oh, eat. Makan. Makan. Mange. Makan. Makan in Malay. You know makan? Makan in Arabic. Makan, it's a place. Makan. Oh,
In Arabic, it's place. Smelly makan, eat. Yeah. Okay. C'est parti, on va manger. Allez. Et voilà, c'est l'heure de le maghrib. Donc là, on va casser. Et je sais qu'en France, c'est super long et que vous mangez très tard, mais voilà, ici, c'est à 19h. Donc on s'apprête à casser, à manger. Et voilà. Purée, saumon, des petites tomates. This one. Et voilà. Bobbing in. Silence me, bobbing in. Taking on a new spin in of that soft forest green. We did pink choices yesterday. There are about 1,000 pink shades you can choose. You can see the white. Pretty little buttons down the back. Definitely a statement piece. Hello les filles, donc voilà, on a fini de manger et c'était sympa, donc on a eu en gros une présentation de la nouvelle collection, de la collection qui va venir plus tôt, donc qui va arriver au mois de d'août-juillet. Alors comme je vous disais, le problème c'est que Zalora, ils ne livrent pas vers la France, mais ce qui est marrant c'est que c'est un site que je connaissais, je vous ai déjà présenté deux hauls, mais je sais pas, ça fait très longtemps que j'ai pas été sur leur site internet. Et là, le fait de revoir les vêtements, de voir les choses qu'ils ont, franchement, ça me donne trop envie de faire du shopping. Il y a vraiment de chouettes tenues, comme celle-ci, vous voyez, c'est une longue robe avec une veste comme ça. Franchement, il y a de chouettes choses. Là, le jean, j'aime trop. Le jean, il est vraiment trop, trop beau. Et alors, je pense que l'un de mes coups de cœur, c'est cet ensemble. Donc, c'est un ensemble en velours. Il ressort un peu bizarre comme ça, mais c'est un ensemble en velours. Donc, vous voyez, c'est court à l'avant. À l'arrière, c'est vraiment long avec le pantalon. Ça, franchement, faut que je le chope. Et alors, il y a aussi ce haut que je trouve trop, trop beau. Franchement, il est magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez en barre d'infos. Et alors, regardez, une autre tenue que je trouvais vraiment super modeste. En tout cas, super belle. C'est vraiment le genre de tenue que je pourrais porter. C'est un long tunique comme ça, avec un pantalon jean. Et ce que j'aime bien dans le jean, c'est qu'il est large. Vous voyez, le pantalon, c'est un pantalon large. Franchement, il y a de chouettes choses. Après, c'est vrai qu'elle a bien créé les tenues. Donc, vraiment de chouettes choses, c'est sympa. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu d'être avec moi durant ce petit moment. J'espère que, voilà, que c'était intéressant pour vous de passer encore cette journée avec moi. Donc demain, je vous emmènerai à un autre événement, donc Celeb Fest. Je vous en dirai un peu plus demain. Mais voilà, donc... Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour toutes les nouvelles aventures. I just look at the camera, just smile. You love me.